le laurier rose, évidemment. Ce végétal, qui est un pur méditerranéen, a réussi le tour de passe-passe de s'inviter juste à côté des humains, alors que c'est peut-être la plante la plus toxique au monde. C'est pas compliqué, hein. Je prends une feuille, je la grignote, on est quasiment certain que je meurs dans l'heure. Les animaux, affamés, s'ils n'ont pas d'autres mets à se mettre sous la dent, en font autant, et vous pouvez vous dire que même pour les plus gros, ça capote très vite. C'est un poison, hein, qu'on appelle l'oléandrine, hein, qui circule à l'intérieur de ses veines. On est en 1808, on pourrait quasiment se sentir à côté d'eux. Nous sommes des soldats napoléoniens aux portes de Madrid, on est en pleine guerre d'Espagne. Bivouac, le soir, une vingtaine de personnes autour de nous, on n'a pas d'autre idée que de faire un bel agneau embroché sur des branches de laurier rose qu'on retrouve juste aux environs. Je ne vous fais pas de dessin, au petit matin, 8 morts dans la troupe d'avoir évidemment mangé un barbecue parfumé à la branche de laurier.